évidemment, il y en a qui veulent être sur la place où il y a le terrain de foot et tout ça. Mais ça, il faut un peu voir la place qui est possible et négocier ça ici, quoi. Donc ceux qui veulent être dans le parc, n'hésitez pas à venir ici. Il était une fois, dans le quartier de la Rosée Les Mens, une fête qui se préparait avec quelques associations, des habitants, et qui petit à petit, au fur et à mesure des années, après 10 ans, est devenue une fête annuelle de grande ampleur. Cette fête, bon, ça sert à quoi? C'est de faire rencontrer les gens, qu'on puisse sortir, qu'on puisse manger ensemble et montrer aussi ce qui se passe dans le quartier. Des jeunes filles, l'année passée, ont chanté, il y a eu des enfants qui ont fait l'affiche, il y a eu plein de choses. Cette année, évidemment, cette fête a encore pris plus d'ampleur. Et savez-vous quel est le thème de la fête? Les Mens sans frontières. Vous laissez peut-être de la place tout en sachant qu'il y a déjà plein d'activités et que ce serait dommage de refaire une activité qui existe déjà. Donc ça, c'est important de prendre en compte aussi. Une fête, bien évidemment, ça se prépare. Et donc, il y a eu des ateliers assez créatifs, assez originaux, de recyclage de bouteilles en plastique qui vont devenir des plantes, des insectes et qui seront un peu répartis partout pendant la fête. Bon, ça, c'est juste des petits exemples, mais il y a encore d'autres exemples que je pourrais développer. Mais je vous propose de regarder quelques images et histoire de vous donner l'eau à la bouche pour venir le 30 avril de 13 à 17 h sur la place Les Mens et dans le parc de la Rosée. Wow. Bah, on peut applaudir quand même la créativité, s'il vous plaît. Hein. Bzzz.